Maseret Kiddushin, Daf Nun Amud Bet, on va commencer par les deux dernières lignes de Nun Amud Aleph, la Mishnah qu'on avait déjà commencé. Alors, la Mishnah nous a enseigné un principe qu'on a déjà vu au début de la Maseret, c'est que pour se marier, il faut donner comme valeur d'argent à la Kala, au minimum, une prouta. Alors, la Mishnah va nous dire que s'il a donné moins qu'une prouta, il n'est pas mekoudeshet. Mais ce n'est pas le principal hidush, car ça, on l'a déjà vu, comme on l'a dit déjà, dans la première Mishnah de Kiddushin. Le hidush est le suivant. C'est que même si plus tard, il a complété. Par exemple, au début, il a donné moins d'une prouta. Pahot et shaveh prouta. Donc, on a dit ena mekoudeshet. Mais après ça, il lui a envoyé des cadeaux, une Rolls Royce, d'accord, une montre Rolex. Alors, c'est Sivlonot, c'est Sivlonot là, ça s'appelle Sivlonot, les cadeaux. Est-ce que nous pourrions dire qu'elle est Mekoudeshet? Ok, au moment des Kiddushin, il a donné moins d'une prouta, mais après les Kiddushin, il lui a envoyé beaucoup plus. La réponse, elle n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi? Car les cadeaux, il lui a envoyé par rapport au Kiddushin qui avait déjà eu lieu auparavant. Ça veut dire que ce qu'il a donné comme Pachot Mishave Pruta, c'est ça les Kiddushin. Lui pensait que c'est ça les Kiddushin. Donc sa kavana, c'était de se marier avec ça. Or avec ça, elle n'est pas Mekoudeshet. Ensuite, les cadeaux qu'il donne, pas en tant que Kiddushin, en tant que cadeau après les Kiddushin. Pour lui, c'est Al-Da'at HaKiddushin HaRishonim. Dans son da'at, Kiddushin HaRishonim. Eh bien, ça ne marche pas. Au début, ça ne marche pas parce qu'il y a un problème dans l'action, même si l'intention y est, mais l'action n'y est pas. Il a l'intention d'être Mekadesh Ota, mais l'action n'est pas valide, puisqu'il lui a donné moins que Shaveh Pruta. Elle n'est pas Mekoudesh. Ensuite, il y a l'action, mais il n'y a pas l'intention. Il donne des cadeaux, il y a la valeur. Dans ces cadeaux, il a donné une Rolls Royce. Il y a la valeur d'une prouta, mais il n'y a pas l'intention d'être Mekadesh avec les cadeaux. Les cadeaux, il les donne en tant que cadeau et pas en tant que Kiddushin. Donc cette femme n'est pas Mekoudesh. Ce Hidush, on le retrouve également dans le cas suivant. Imaginons, il y a deux jeunes filles que cet homme veut épouser. Il s'adresse à l'une. Tu veux m'épouser? Oui. Et toi? Oui. Alors, à l'époque où on pouvait se marier avec deux femmes, la bigamie est permise par la Torah, c'est Rabbeinu Gershom qui a fait un herem pour interdire, mais sinon dans l'absolu, la polygamie est permise. Alors il s'adresse aux deux jeunes filles, il leur dit, vous voulez? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de donner une prouta à l'une, à Reat Mekoudeshet Li, et une prouta à l'autre, à Reat Mekoudeshet Li, il a voulu économiser. Avec une seule prouta, il a voulu épouser les deux. Comment? Il leur dit aux deux femmes, prenez un chaliah, et le chaliah va recevoir les kiddushin pour vous. Le chaliah vient chez le hatan il lui donne une prouta, puisque le chaliah, il est chaliah des deux femmes, il dit, Are aten mekoudashot li be proutazo. Vous êtes mekoudeshet avec cette prouta. Ce qui veut dire, une demi-prouta pour chacune. Elles ne sont pas mekoudashot, ni l'une, ni l'autre. Et même dans l'hypothèse où il a donné une prouta entière. C'est ça. Même dans l'hypothèse où il a donné une prouta entière, parce que c'est ça le chidouche. Quand il donne moins qu'une prouta à une personne, ok, elle n'est pas mekoudeshet. Mais là, on aurait pu dire, étant donné que finalement, dans la valeur même, il y a une prouta, même s'il s'est dispatché en deux, mais après tout, il a donné une prouta pour sa part. Elles ont reçu une demi. Mais lui, il a donné une prouta entière. Alors, on aurait pu croire qu'elles sont mes coups d'achot. Elles ne sont pas mes coups d'achot. Ni avec ça, avec l'argent d'une prouta, ni avec les cadeaux d'après. Car on a déjà dit que les cadeaux d'après le Kiddushin, ça n'a pas de valeur de Kiddushin, car ce n'est pas dans l'intention des Kiddushin qu'il a donné les cadeaux. Troisième cas de figure que la Mishnah nous présentait, c'était Katan chez Kiddesh. Un petit qui n'est pas bar mitzvah, peut-il se marier? Réponse, non. Ki kah ish, isha. Il faut être un ish. Or, s'il est katan, il n'est pas ish, il ne peut pas se marier. Lui, il a donné
à la jeune fille, il lui a donné une pruta entière. Imaginons, il a donné une belle pruta. Ariat mekudeshet libi pruta. Mais on lui dit, monsieur, t'es encore tout petit, toi. T'es ma pabar mitzvah. Elle n'est pas mekudeshet. Quand il a grandi, c'est-à-dire, imaginons, ça il a fait 2 jours avant sa bar mitzvah, et dès qu'il est devenu bar mitzvah, il a reçu plein de cadeaux. Ah, maintenant il a beaucoup, beaucoup de cadeaux. Il prend un joli vase en cristal qu'il a reçu, et il envoie à la jeune fille, lui dit, voilà le cadeau que je t'offre, mon épouse. On lui dit, non monsieur, ce n'est pas ton épouse. Elle n'était pas ton épouse quand tu étais katan, et elle n'est pas ton épouse maintenant parce que quand tu as donné le vase de cristal, tu ne lui as pas dit « Ariat mekudeshet li » avec le vase de cristal. Tu as donné le vase de cristal. En tant que cadeau, ça ne marche pas. Parce que il n'y a pas l'intention de kiddushin. Il y a juste un cadeau que tu as envoyé. Mais ce cadeau, il vient après des kiddushin invalides. Le cadeau après kiddushin invalide ne valide pas les kiddushin. Et la Gemara nous a dit que pourquoi fallait-il 3 exemples? C'est toujours l'histoire des kiddushin invalides suivis de cadeaux. Mais pourquoi on avait besoin des 3 exemples? D'abord, les 2 femmes avec une pruta, ensuite une femme avec moins d'une pruta, ensuite Katan chez Kidesh, et ensuite il envoie des cadeaux quand il a grandi. Pourquoi on a besoin de 3 exemples? La Gemara nous a dit, Utsricha. Regardez s'il vous plaît, Dafnun Amud Bet, 2e ligne. Gemara. Utsricha, c'était nécessaire de nous enseigner les 3 cas de figure. Deyash mo'inan shave pruta, aide de kanafik mamona minne, ta'e, aval parod mi shave pruta ima, yodea shen kidushin toksin parod mi shave pruta, vechi kameshader sivlonot, adata de kidushin kameshader. Si on nous avait enseigné que le premier cas, on n'aurait pas su le 2e cas. Pourquoi? Car on aurait pu croire que dans le 1er cas, pourquoi elle n'est pas mekudeshet avec les cadeaux? Car ce monsieur-là, il a donné les cadeaux en tant que cadeau et pas en tant que kiddushin. Et pourquoi il ne donne pas les cadeaux en tant que kiddushin? Parce qu'il a vraiment une bonne raison de se tromper. Pourquoi il a une bonne raison de se tromper? Car pour sa part à lui, il a donné une pruta. Donc il croit que ça marche, puisqu'il a donné une pruta pour les 2 jeunes filles. Alors quand on donne une pruta pour les 2 jeunes filles, lui croit que les kiddushin sont kiddushin. Alors lorsque plus tard il donne les cadeaux, c'est sûr qu'il ne donne pas les cadeaux en tant que kiddushin, car dans sa tête à lui, elles sont déjà mekudeshet. Alors c'est sûr que les cadeaux, c'est en tant que cadeau et pas en tant que kiddushin. Alors là, je peux dire, les kiddushin sont invalides, parce que c'est vrai que lui, il a donné une pruta, mais elles ont reçu qu'une demi-pruta chacune. Donc, pas mes coups d'échotte. Et les cadeaux, c'est dans l'intention de cadeau et pas dans l'intention de kiddushin. Donc, vadaï ena mes coups d'échotte. Mais dans le 2e cas, où il a donné à une seule jeune fille, moins qu'une pruta, là, tout le monde le sait, que moins qu'une pruta, ce n'est pas cachère. Alors, lorsqu'il a envoyé des cadeaux plus tard, certainement, que ces cadeaux qu'il envoie, la Rolls Royce et la Rolex, c'était en tant que kiddushin. Car il a dû se rendre compte qu'il n'a pas donné une pruta au moment de kiddushin. Donc, c'est sûr que les cadeaux, c'est dans quelle intention? C'est dans l'intention de kiddushin, même s'il ne l'a pas dit. Il va sans dire. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que il dit, non, elle n'est pas à mes coups d'échette. Étant donné qu'il n'a pas dit, je t'envoie ces cadeaux à titre de kiddushin. Il a dit, je t'envoie ces cadeaux. Il a envoyé une Rolls Royce, il n'a pas dit kiddushin. Il a envoyé une Rolex, il n'a pas dit kiddushin. Alors, c'est en tant que cadeau, c'est pas en tant que kiddushin. Et c'est un homme qui ne connaissait pas la halakha. Il n'est jamais venu au Dafayomi pour savoir que il ne savait pas. Il croyait que même moins qu'une pruta, ça marche. Donc, dans sa tête, les kiddushin ont déjà eu lieu quand il a donné moins qu'une pruta. Et ensuite, les cadeaux, c'est les cadeaux à son épouse, parce qu'il croit que c'est son épouse. C'est pour cela que
il fallait le dire, qu'elle n'est pas Mekoudéchet. Car là, on aurait pu croire que oui, elle est Mekoudéchet, parce que certainement, il a donné les cadeaux en tant que Kiddushin. C'est ça qu'on vient nous dire que non, il n'a pas donné les cadeaux en tant que Kiddushin, et donc elle n'est pas Mekoudéchet. Et si on nous avait enseigné que ces deux cas, et on ne nous avait pas enseigné l'histoire de l'enfant, Veyash Moïnana Netarte, et si on nous avait enseigné que les deux premiers cas, Mishum, Deben Pruta, les Parot Mishve Pruta, Lokaim Leule Inche, Aval Katan She Kidesh, Hakol Yodin, She En Kidushe Katan Klum, Ima, Ki Kameshader Sivlonot, Adarta de Kidushe Kameshader, Kamashmalan. Si on nous avait enseigné que les deux premiers cas de la Mishnah, eh bien on n'aurait pas su pour le troisième cas quel est le din. C'est quoi le troisième cas? Rappelez-moi. Katam. On aurait pu croire que c'est seulement lorsqu'il a envoyé des cadeaux dans les deux premiers cas qu'elle n'est pas Mekoudéchet. Pourquoi? Parce que là, l'erreur est plausible dans le sens où un homme peut ne pas connaître la halakha de Pruta. Déjà, peut-être qu'il ne connaît pas la halakha de Pruta. Et même s'il connaissait la halakha de Pruta, peut-être qu'il croyait que deux jeunes filles avec une Pruta, ça marche. Parce qu'après tout, il a donné lui une Pruta. Même si au niveau de la valeur... Merci beaucoup. Même si au niveau de la valeur qu'elles ont reçue, elles ont reçu qu'une demi-Pruta. Mais lui, pour sa part à lui, il a donné une Pruta entière. Alors, l'erreur est possible. Mais Katan, ah, l'erreur n'est pas possible. Qui ne sait pas qu'il faut être bar mitzvah pour se marier? Il n'est pas bar mitzvah. Ish. Qui kach ish isha. Tout le monde le sait qu'un petit ne peut pas se marier. Ça, tu aurais pu croire que quand il envoie des cadeaux ayant grandi, c'est sûr que c'est des cadeaux à titre de kiddushin. Car il a dû se rendre compte que les kiddushin qu'il a donné quand il était petit, c'était pas des kiddushin. Donc c'est sûr que maintenant, s'il envoie des cadeaux quand il est grand, c'est à titre de kiddushin. Je dis non. Même ça, je le mets sur le compte de l'erreur. C'est quoi l'erreur? C'est qu'il croyait qu'on pouvait se marier en tant que petit. Et donc, les kiddushin, c'est en tant que petit. Et elle n'est pas Mekoudéchet. Et les cadeaux, plus tard, quand il a grandi, c'est en tant que cadeau. C'était pas en tant que kiddushin. Donc, elle n'est pas Mekoudéchet. Voilà pourquoi il fallait nous enseigner le même din dans ces trois cas. One, two, three. Car on n'aurait pas pu déduire un cas de l'autre, un din de l'autre. Très bien. Et maintenant, la Guémara va se livrer à une recherche. Itma, Rav Huna, Amar. Hosheshin les Sivlonot. Renama Rabba, Hosheshin les Sivlonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi explique. Que veut dire Hosheshin les Sivlonot? On tient compte des cadeaux. Mi Sheshider Beisha. Venitratsta. Un homme qui a été voir une jeune fille, il lui a dit, veux-tu m'épouser? Elle lui dit, oui, je veux bien me marier avec toi. Vekadam veshalach sivlonot beredim. Et il a donné des cadeaux à cette jeune fille devant des redim. Il lui a offert une montre Rolex. Pas besoin de Rolex, pour j'avais Prouta. Il a offert un cadeau. Nahon, en tout cas, c'était avant les Kiddushin. Vous voyez, les jeunes, veux-tu m'épouser? Il se met à genoux et il donne une petite boîte avec une bague. Rabotai. Hosheshim, Shema Kiddushin Hed. Veim nitkatcha leacher. Tzricha get milarishon. Il lui dit, veux-tu m'épouser? Il lui donne une bague. Ça, eh bien, selon ces deux rabbanim, Rav Huna et Rabba, ils nous disent, Hosheshin, il y a lieu d'avoir un safek. Est-ce qu'elle est Mekoudéchet ou pas? Peut-être oui, peut-être non. Et par conséquent, imaginons le drame. Le drame. Après ça, le lendemain, la belle-mère, la future belle-mère, elle s'est accrochée avec elle au téléphone. Alors déjà au téléphone,
ça marche pas. Alors, elle le rappelle à ce prétendant, écoute, je suis pas d'accord. Hier, je t'ai dit oui, aujourd'hui, je te dis non. Bye bye. Elle va connaître un autre garçon, lui dit, veux-tu m'épouser? Oui. Et lui, lui dit, Harre atmekud deshet libi tabarzu ki tatmoshi Israël. Le deuxième. Oui. Le deuxième lui dit, Mamash areat mekudeshet li betabaruzu kedat Moshe Israël. Quel est le din maintenant? Alors il faut deux guettes. Du premier et du deuxième. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est mariée au premier et donc pas au deuxième. Peut-être qu'elle est mariée au deuxième et donc pas au premier. C'est-à-dire que si on dit qu'elle est mekudeshet au premier, donc si elle est eshet ish, ce qu'il a fait le deuxième, c'est caduque, c'est nul et non avenu. Mais si on dit que le premier, quand il a donné des cadeaux, c'est pas les kiddushin, donc elle n'était pas mekudeshet, elle était célibataire. Donc le deuxième, quand il lui a dit arrête mekudeshet li, elle est mekudeshet. Donc elle est mekudeshet au deuxième. Alors est-ce qu'elle est mekudeshet au premier ou au deuxième? On ne sait pas. Alors il faut un guet des deux. Maintenant, écoutez les amis. Qu'est-ce que le premier a donné? Un cadeau. Qu'est-ce que le deuxième a donné? Kiddushin. Étant donné qu'il y a un safek, que peut-être que le cadeau du premier s'appelle Kiddushin, c'est un statut de Kiddushin, voilà pourquoi on a un safek mekudeshet au premier, safek mekudeshet au deuxième, et donc il lui faut un guet, cette dame, si elle veut refaire sa vie avec un troisième garçon. Bon, alors regardez. Amar Rabba. Et donc, c'est qui qui a dit que Hosheshin, c'est quoi Hosheshin et Siblonot, traduction? On craint que les cadeaux aient un statut de Kiddushin. Et par conséquent, comme le cas que je vous ai décrit, il lui faudra un guet de l'un et de l'autre. Maintenant, Rabba, il va apporter une preuve. Amar Rabba, excusez-moi, il va se auto-objecter. Amar Rabba, ou Motvinan Ashmartin. Moi-même, je me suis auto-objecté. Quelle est la question que je me suis posée de notre Mishnah? Qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Afal pi sheshalach sivlonot le'achar miken ena mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Mishnah, on a appris que si jamais un garçon avait dit à une jeune fille, il a pris une demi-prouta, il lui a dit Harre at mekudeshet li, behatsi pruta. Elle n'est pas mekudeshet. Ensuite, il lui a envoyé des cadeaux. Elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Car on a dit les cadeaux, c'est des cadeaux. C'est pas des kiddushin. Il n'a pas donné ça en tant que kiddushin, il a donné en tant que cadeau. Sur la base des premiers kiddushin. Or, les premiers kiddushin n'étant pas valides, donc il n'y a pas de base au kiddushin. Très bien. Rava s'auto-objecte. Il dit comme ça. Tu vois que les cadeaux ne remplissent pas la fonction de Kiddushin. Alors comment puis-je dire que des cadeaux sans Kiddushin, ça a peut-être une valeur de Kiddushin? Mais la Mishnah elle-même a dit « Ena mekudeshet » avec les cadeaux. Mais là, c'est Beijing. C'est Peshat, mais parce que Peshat, il n'y a pas Shavé Pruta. Mais il y a toujours Edim. Il y a toujours Edim. Et quoi, vous pensez qu'à un moment donné, c'est sans Edim? Alors, voyez-vous, Rabba et Ravuna, les deux Rabbanim qui ont dit que, en effet, Hosheshin et Kiddushin, c'est-à-dire quelqu'un qui a envoyé uniquement des cadeaux, il n'a jamais fait Kiddushin, est-ce qu'elle aime Kudeshet avec les cadeaux? Ils ont dit que ça fait. Peut-être que oui, peut-être que non, il faut un guet. Eh bien, Rabba lui-même s'auto-objecte en disant « Mais la Mishnah me contredit apparemment, puisque la Mishnah a bien dit que des cadeaux, ce n'est pas des kiddushin. Alors pourquoi moi j'ai dit « Hosheshin les kiddushin » À Marlé Abayé, ce qui est beau ici, c'est Abayé, le neveu, qui répond à la question que tonton Rabba s'est posée. Rabba Bar Nachmani était le père adoptif de Abayé. D'ailleurs, il lui a donné, parce que Abayé était orphelin de père et de mère depuis la naissance. Il a perdu son père quand sa mère était enceinte. Il a perdu sa mère à la naissance. Il a été adopté par Rabba Bar Nachmani, qui lui a donné le nom du grand-père, Nachmani. C'est pour ça que Bémet, le nom de Abayé, c'est Nachmani. Abayé, c'est Rachetevot.
Asher Becha Yeruham Yatom, le pasouk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a pitié des orphelins, ou bien que Abaye c'est comme Avi, Abai, Abba. Rabba ne voulait pas donner le nom de Nahmani, l'appeler à Nahmani devant son papa. C'est pas joli d'appeler son neveu devant son père, il porte le même nom. Le petit-fils c'est le grand-père, pourquoi il va appeler son neveu devant son père? Alors il appelait Abaye, Abaye, ça veut dire mon père. C'est comme le nom de papa, pour ne pas dire Nahmani. On sait, il y a un autre pirouche. C'est plus facile, Asher Becha Yeruham Yatom. En tout cas, Abaye dit, tonton, n'aie pas de chagrin, j'ai une réponse pour toi. Parce que Rabba, qui avait dit Hosheshin et Kiddushin, il a dit, O Motvin Hanash Martin, moi-même, je me remets en cause. Je m'auto-objecte à partir de cette Mishnah. Abaye lui dit, j'ai une réponse pour toi. Laquelle? Amarle Abaye, Hatam, Kedekatanetama, Shemehamat Kiddushin Arishonim, Shalah. C'est-à-dire que là-bas, pourquoi je dis que les cadeaux, c'est en tant que cadeau et c'est pas en tant que Kiddushin? C'est parce qu'il avait déjà fait des Kiddushin auparavant. Seulement, c'était des Kiddushin invalides. Mais dans la tête du Mekadesh, c'était des Kiddushin valides. Étant donné que dans la tête du Mekadesh, c'était des Kiddushin valides, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas penser au Kiddushin au moment où il donne des cadeaux. Mais lorsqu'il s'agit d'une jeune fille célibataire à laquelle il n'avait jamais donné des Kiddushin auparavant, d'emblée il lui a donné des cadeaux, alors là, il y a un safek. Est-ce que ces cadeaux ont un statut de Kiddushin? Oui ou non? Pour reprendre le cas actuel, malheureusement, la jeunesse, elle joue à ça. Veux-tu m'épouser? Il se met à genoux et il donne un bijou. Eh bien, c'est un problème. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas eu des Kiddushin auparavant. Maintenant, il donne un cadeau. Mais est-ce que c'est un cadeau qui a un statut de cadeau ou c'est un statut de Kiddushin? Il lui dit, veux-tu m'épouser? Et il lui donne la bague. Là, il y a lieu de se poser la question. Mes coups d'échette ou pas mes coups d'échette? Et puis, après, s'il y a rupture, et bien aller avec un autre homme. Ça fait qu'échette ish. On ne rigole pas avec ça. Alors bon, on a trouvé une échappatoire. Les poskim essayent de trouver des sorties de secours. Mais pourquoi entrer dans les problèmes pour en sortir après?